Polytechnics Mauritius Limited, PML, fin créé en 2017. Seul objectif, c'est préparer les jeunes pour le marché du travail avec un mélange de compétences moyennes et élevées grâce à ce système de l'enseignement technique supérieur. Code PML, un étudiant capable d'apprendre et gain formation professionnelle en même temps. Vision gouvernement, vision 2030 du gouvernement, dit qu'il nous a créé un skilled and competent workforce pour le pays. Il y a une diversification de l'économie qui peut passer en ce moment. Alors, normalement, il y a une diversification de programmes d'études qui peut amener l'eau tout ça dans différents échelons pour l'économie. Là. À Polytechnics Mauritius, nous pouvons faire du higher technical education. Il y a un segment très, très spécifique que nous très focus sur le développement des skills and competencies. Nous faisons à travers différents clusters qui nous travaillent, le Health Sciences and Nursing, le Industrial Logistics, Engineering, IT and Emerging Technologies et Tourism, Hospitality and Leisure. Pour le moment, nous avons ces quatre clusters là, c'est là qui nous travaillons. Nous travaillons sur des diploma programs, essentially, qui peuvent donner, qui peut créer des high technical qualifications et des high quality draftsmen, techniciens pour le pays. Pour le moment, on a 3 ans de training National Diploma in Nursing. C'est National Diploma in Nursing, c'est 3 ans, 45% c'est théorie et 55% c'est pratique. Ce cours-là, c'est awarded par Mauritius Institute of Health. Alors, nous, les étudiants qui viennent ici, ils ont besoin de 5 crédits. Ils ont besoin de crédits en mathématiques et puis crédits en science subject. Et quand je viens là, nous faire formation aux autres en théorie. Et puis ça, quand je finis de faire formation en théorie, là, nous avons les dans les hôpitaux régionaux dans l'île Maurice pour faire des pratiques de band placement. Okay? Ça, c'est un cours qui nous a beaucoup d'étudiants. Pour le moment, nous avons profité 450-500 étudiants qui peuvent étudier ici pour National Diploma in Nursing. Je suis beaucoup ici en nursing à Polytechnique. Je fais ma formation dans l'hôpital et aussi à la City Clinique. Et je suis en compétence de mon résultat. City Clinique a accueilli moi et maintenant je travaille à City Clinique. Aujourd'hui, notre but c'est promouvoir la santé et especially comment dire, les nursing students ou prospective nursing students qui ont envie vraiment d'aller dans sa carrière là, ou même si ce n'est pas vraiment sûr, aujourd'hui nous bien envie de comprendre peut-être les, la porte est ouverte pour vous ici à la City Clinique et à la Polytechnique. Alors, dans le fait qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous font, c'est nous montrer aux autres qui ban prospectus et non pour eux. Donc, nous pouvons dire aux autres, nous pouvons inviter les jeunes vraiment aide-nous contre la lutte de la COVID aussi. Donc, comme tout le monde connaît, de nos jours, la COVID, c'est quelque chose qui peut avec nous pendant très longtemps. Et en effet, nous avons besoin de beaucoup de healthcare workers, especially les nurses même. Et les jeunes nurses, en tant que jeunes nurses eux-mêmes, dans la nouvelle génération, nous vraiment invitons eux à venir et venir aider nous. Donc nous en collaboration avec la Polytechnique depuis quelques années déjà. Et nous vraiment, comment dire, nous offrons des opportunités pour un étudiant venir et nous offrir aussi un contrat après qu'ils aient gradué. Donc, ça fait 25% de la clinical skills et ben pratiques de TENA. Vous venez faire lié à la City Clinic Limited, que ce soit à Port-Louis ou en Grand B, dans la City Clinic de Grand B aussi. Et en collaboration avec la Polytechnique. Donc, vous faites des théories aussi à la Polytechnique. Et à la fin, quand vous graduez, nous offrez une opportunité pour nous employer aussi et aide-nous en tant que jeune docteur ici à Maurice maintenant. Et vraiment pour make Mauritius a better place to live, mais aussi a safe place to live. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.